Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière car c'est une vidéo qui va donc tout simplement vous montrer les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus de mes popinettes. Donc certains et certaines d'entre vous savent que début mars c'était mon anniversaire. Et donc, il y en a certaines. Donc, je le mets au féminin parce que c'était uniquement des dames. Donc, m'ont fait parvenir des petits cadeaux. Enfin, petits cadeaux. On dit toujours petits, mais je ne vais pas dire des petits cadeaux. M'ont fait parvenir des cadeaux. Voilà. Alors, on va tout d'abord commencer par le courrier que j'ai reçu de la Belgique. Donc, c'est Myriam de la chaîne Estelle Channeling qui m'a fait parvenir cette carte pour mon anniversaire. Donc, je tiens tout particulièrement à la remercier parce que sa carte m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Avec cette carte, donc, elle m'a mis ce die-cut, cet tamponnage. J'avais pas du tout ce type de tamponnage. Donc, c'est vraiment top. Et des cartes de Project Life. Voilà. Donc, ma poulette, je tiens à te remercier pour cette attention parce que ça m'a fait super plaisir. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Myriam, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne, donc Estelle Channeling, et vous trouverez le lien direct vers sa chaîne dans la barre d'information. Voilà. Alors, j'ai reçu également une enveloppe rempli de marqueurs à alcool. Ah, je vois que j'ai mélangé. Il y en a deux qui ne font pas partie de cet envoi. Alors, si je mélange tout, ça ne va plus. Je pense que c'était. Je ne sais plus. Ah, copie, si tu mélanges tout, ça ne va plus. Ah, ben voilà, c'était ces deux-là. Hop! Ça, c'est pour après. Alors, il y a la couleur bleu cobalt, la couleur gris glacé, la couleur aqua frais, la couleur pain, zeste de lime et vert olive. Voilà, donc cette enveloppe m'a été envoyée par Chantal de la chaîne Les Créas de Méludis. Et dans cette enveloppe, il y avait une carte, mais qui est déjà rangée, ainsi que des petits bonbons qui ont déjà été mangés. Donc, je vous invite également à aller faire un tour sur la chaîne de Chantal, à savoir Les Créas de Méludis, car actuellement, elle propose un concours sur sa chaîne pour ses 80 premiers abonnés. Et donc, je vous invite à cliquer pardon, sur le lien que vous trouverez en barre d'infos, pour tout simplement participer à son concours. Voilà. Alors, on arrive maintenant à ceci. Donc, ce sont deux petites canailles qui se sont donc associées pour m'envoyer un petit colis combiné. Et ces deux canailles répondent au doux prénom de Ninon et Élodie. Donc, Ninon, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est la gérante de la boutique Horizon Créatif. Et donc, elle gère également la chaîne du même nom, donc Horizon Créatif. Et Elodie, c'est notre Fimo et Lola Fée Chatouille. Et donc, ces deux coquines ont comploté derrière mon dos pour m'envoyer tout ça. Alors, je vous montre en détail. Alors, on va commencer par un Magical Shaker, donc bien évidemment d'une couleur que je n'avais pas. Donc c'est le Magnolia Magenta Gold. Donc il y a des couleurs juste superbes. On voit un petit peu ici le gold sur le bouchon. Dans la gamme des couleurs, donc le Moon Shadow Mist, qui est une couleur de spray Lindy's que je n'avais pas encore. Alors, j'ai eu le plaisir de recevoir donc de la marque Trésarts. Donc c'est une marque qui a rejoint les, je vais dire les rayonnages de la boutique de chez Ninon.
Et au niveau des couleurs, on a un vert olive et on a un orange. Mais ce sont des couleurs ben, juste sublimes. Je vais peut-être les... Il y a l'orange qui se fait la malle. Voilà. Donc ça, je suis trop contente parce que je ne connaissais pas du tout ces produits. Et ben, du coup, je vais pouvoir les tester. Alors, j'ai reçu également ce superbe bocal avec tous ces tampons à l'intérieur. Donc, on a des cœurs par-ci, par-là. Voilà, et donc les tampons se présentent comme ceci. Donc, ce sont des tampons en bois. Et vous avez le tampon ici qui est juste tout doux. Voilà. Alors, j'ai reçu également un distributeur de washi. Et ça, c'est trop cool parce que j'en avais encore jamais vu. Et donc, il s'agit d'une pellicule de comment? Une pellicule de photographie. Donc, je n'avais pas encore ce type de washi. Et je testerai éventuellement, lorsque j'aurai terminé celui-ci, voir si les autres washi peuvent être adaptés. Mais à mon avis, j'ai envie de dire oui, puisque le système, voilà, coulisse comme ça. Donc, je pense que ça peut être adaptable aux autres washi. Mais bon, on verra à l'occasion. D'abord, terminer celui-ci. Voilà. Il y avait également donc des post-it en forme de pomme. Ça tombe super bien parce que des post-it, j'en mets partout. Et donc, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, c'est entre le rose et le saumon. Voilà. Il y avait également dans ce colis donc une planche de ruban. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est donc le ruban, ce sont comme des décalcomanies à sec. Donc, vous découpez la partie qui vous intéresse et ensuite, avec le petit bâtonnet, vous grattez délicatement sur le motif et le motif va s'apposer sur le support. Et donc, si vous êtes intéressé par ce type de produit, donc n'hésitez pas à aller voir chez Ninon car elle en propose plusieurs dans sa boutique et ceux-ci sont de la marque Kizzy Art. Voilà. Et toujours dans la gamme, donc, très arts, donc gamme que j'aime que j'aime tout particulièrement. J'ai reçu également ce superbe pochoir mandala. Voilà. Donc que je pourrais tester soit avec les encres en pad ou les encres en spray. Donc comme ceci. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées éventuellement par certains de ces produits, donc je peux déjà vous dire que le pochoir, ces produits-ci, celui-ci et les rubans sont disponibles dans la boutique de Ninon. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller faire un petit tour sur la boutique et je vous mettrai le lien également vers sa chaîne YouTube parce que sur sa chaîne, elle propose donc des tutos très complets et très bien expliqués. Et elle propose également les nouveautés qui intègrent la boutique et les réassorts. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et faire un petit tour. Voilà. En tout cas, mesdames, je tiens à vous remercier pour tous ces cadeaux. Ça m'a fait super plaisir de les recevoir. Ça, je pense que vous le savez toutes les quatre. Et donc, je sais qu'il y a des petites choses en préparation. À l'impossible nul n'est tenu. Je sais qu'on a tous et toutes des impératifs de temps, de travail, etc. Donc, pour les personnes qui souhaitent m'envoyer des petites choses pour mon anniversaire, surtout, vous inquiétez pas. Ça viendra quand ça viendra. Et je sais qu'il y a un autre colis qui est en route, qui devrait logiquement pas tarder à arriver. Et je vous montrerai ça en temps voulu. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette publication. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à utiliser l'espace prévu à cet effet. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao !